à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau Action. J'ai été à Action aujourd'hui, bah normal. Donc je vous mets le haul tout de suite en avant, c'est parti, en avant Guingamp, sachant que tous les produits là, vous pouvez les trouver encore dans le magasin. Donc voilà. Et donc on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors en premier les enfants, j'ai acheté cette petite panière, comme ceci. En rotin scandinave avec son petit napperon. Hop là, comme ceci. Elle fait, quelle taille elle fait? 49 sur 32, 49 sur 32 sur 18. Voilà. Et ça, ça va me servir tout simplement à mettre les petits jouets, vite fait, les petites conneries, les petits jouets de bébé qui traînent. Mais bébé, fais attention. Je te surveille. Il y a bébé qui essaye d'escalader les marches. Donc ça, je disais que je vais le peindre en noir, je pense. Mais le truc qui est con, c'est que j'ai acheté une bonbonne de peinture blanche. Donc voilà. Donc je vais enlever le machin qui est là, le peindre en noir et ensuite le remettre. Donc voilà. La petite panière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, on y va. J'ai pris ceci. Je suis dégoûtée parce que d'habitude, je prends du bioéthanol pour mettre dans la cheminée. Mais là, il n'y en avait plus. C'était carrément... La cata, donc j'en avais plus, j'étais dégoûtée, donc j'ai pris ça. C'est bio, allume-feu gel pour cheminée et barbecue. Donc on verra ce que ça donne. Biodégradable, indolore, inodore, fermeture, sécurité. Donc voilà, donc on verra ce que ça donne. C'est un produit comme ceci pour moi, pour me faciliter l'allumage de mon feu de bois, de mon feu de cheminée. Je me suis repris du lave-vaisselle comme ceci, Myrrhe. Je l'ai déjà à la maison, il sent très très bon. Il est au litchi fleur de tiare. C'est celui que je... Alors si je regarde tout le temps là, c'est parce qu'il y a petite choupette qui est sur les marches. Fais attention à toi, qui est sur les marches. Et donc voilà. Donc je disais, du liquide vaisselle comme ceci, c'est celui que j'utilise en ce moment-là. Il sent très très bien, très très bien, si très très bien. Donc si vous connaissez pas, franchement, je vous le conseille. Il est très très bien. Par contre, c'est une grosse contenance, donc c'est un peu ça qui est chiant. C'est 500 ml, pour information. Ensuite, j'ai pris un petit sac comme ceci, un petit sac patrouille. Vous demandez pas pour qui c'est, mais c'est pour quelqu'un. De toute façon, je pense que quand elle verra ce haul, je l'aurai déjà donné. Donc voilà, un petit sac comme ça. Vous savez, c'est un sac vraiment tout con. Et après, vous l'ouvrez comme ça. Bon, j'ai un peu la flemme de le déplier, surtout que c'est pour donner. Mais voilà, petit sac pas de patrouille. Il y avait plein de modèles différents. Pas de patrouille. Je crois qu'il y avait la Reine des Neiges. Il y avait Kurz, le mec qui meurt jamais. Et voilà, moi j'ai pris pas de patrouille parce que la personne à qui je vais l'offrir est fan de pas de patrouille. Je suis faible. J'ai pris des Kit Kat comme ceci. Par contre, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a que 3 à l'intérieur. Mais franchement, ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Alors moi, petite confidence, on va appeler ça le hall de la confidence. Quand j'étais plus jeune, il faut que je le dise, bébé. Quand j'étais plus jeune, je trempais mes Kit Kat dans le pot de Nutella. Et bon, ça me faisait des fingers. Voilà. Petite confidence de vous à moi, de moi à toi, de toi à moi. Mais chut, on ne le dit pas. Ensuite, je suis trop contente de l'avoir retrouvée. J'avais acheté ça déjà pour la petite d'une de mes amies. C'est une bougie LED. Petit lapin. Franchement, elle est trop chouette. C'était la dernière qu'il y avait. Et en fait, vous avez 10 petits lapins comme ça. Donc voilà, je suis super contente qu'il est ressorti. C'est cool. Et ça, ce sera pour la petite chambre de futur bébé. Franchement, trop mignon. Je kiffe et ça se présente comme ça, le packaging. Vous trouvez ça au rayon loisirs création, hein, pas au rayon Noël. Donc voilà comment ça se présente. Ensuite, j'ai failli me éclater la tête. J'ai pris une petite mousse à raser, voilà. Mousse à raser, comme ceci, tout ce qu'il y a 2 plus 5, le basique, le classique. On adore, voilà, mousse à raser quoi. Pour une amie à moi, et bah ouais, une collègue du bureau, elle m'a dit, on a encore des stylos comme ça? Franchement, ils écrivent trop bien, je les kiffe. Et ben du coup, je lui ai pris les 8. Voilà, je lui ai pris les 8 petits stylos comme ça. Et c'est vrai qu'ils écrivent, ils glissent, ça glisse sur la feuille. Ils écrivent très bien, je les kiffe, c'est des bics, voilà. Vous en avez 8 et ils écrivent bleu, je pense, je me souviens plus. J'ai pris ensuite, pour le boulot, une petite agrafeuse comme ceci, parce qu'à chaque fois, on perd notre agrafeuse. Je sais, à chaque fois que j'achète une agrafeuse, je vous dis qu'on l'a perdue, on la retrouve plus. Donc, une agrafeuse comme ceci, elle est vraiment classique, basique, comme ça. Voilà. Ni trop grande, ni trop petite. Et vu que je suis... Voilà, j'ai déjà dit 2 fois au moins ce truc.
Vu que je suis super intelligente, j'ai pris aussi des agrafes, voilà, pour aller avec. Même marque, agrafe et agrafeuse, qu'est-ce que tu vas faire mon gars? Je sais pas si vous regardez mes vlogs, mais dans mes vlogs, je vous montre les exclusivités actions en fait. Donc allez voir mes vlogs, voilà, petite publicité. J'ai pris des petits croissants comme ceci. Je les avais déjà vus, enfin pas ceux-là, pas le même packaging, mais je sais qu'ils ont déjà fait des croissants. Donc ça en fait, ce sont des croissants fourrés au chocolat. Oui madame, oui monsieur. Et comment ça se présente? Déjà, le packaging est trop joli. Après, oh, ça sent bon. Le croissant est comme ceci. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et hop. Franchement, j'aime beaucoup le packaging. Je trouve ça assez sympa. Mais sinon, si c'est la même marque que la dernière fois, oh, c'est chiant, c'est chiant. Si c'est la même marque que la dernière fois, ils étaient très, très, très bons. Mais là, déjà, rien que l'odeur, ça sent plutôt pas mal. Mais ça, bien sûr, je vous en parlerai dans mes produits terminés. On reste dans la gourmandise. Là, on va partir dans la gourmandise. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu qu'ils faisaient des Krusty. Et franchement... Ah si, c'est chocolat noir. Ces céréales là, je vous les conseille. Ils sont très 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 bons. J'aurais dû en prendre plus. J'en prendrai la prochaine fois. Et voilà, donc des Krusty, franchement... si vous connaissez pas ces céréales, je vous les conseille parce qu'ils sont très 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 bons au chocolat noir. Surtout chocolat noir. Surtout, surtout. Gourmandise, encore et toujours, je me suis pris ceci. J'ai vu dans une vidéo de David et Lydie qu'ils les avaient achetés, que c'était plutôt pas mal. Donc en gros, ce sont... Qu'est-ce que c'est? Alors, attention. Ce sont les crusters de chocolat au lait et de cacahuètes. Des crusters de chocolat au lait et de cacahuètes, ok. Ingrédients en chocolat noir, ok. Cacahuètes, huile de tournesol, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, ouais, du chocolat avec des cacahuètes à l'intérieur. Ça a l'air plutôt pas mal. Et pareil, je trouve qu'au niveau packaging, c'est plutôt sympathique. Et de la même marque, j'ai pris ceci. Donc ça, ce sont... qu'est-ce que c'est encore? Mélange de cranberry mix enrobé de noisettes. Je pense que c'est ça. Mélange de cranberry enrobé de chocolat au lait, chocolat blanc ou chocolat noir. Voilà, j'ai dit noisette. Oh, je sais plus ce que j'ai, je suis fatiguée. De toute façon, vous voyez à quel point je suis fatiguée et à quel point il commence à faire nuit. Donc voilà. Donc ça se présente comme ceci et ça, pareil, je vous en parlerai dans les produits terminés. Je me suis laissée tenter par ceci parce qu'on a les canalisations bouchées. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester. Donc ça, c'est un produit des bouches duo. Des bouches duo, voilà, comme ça, il a son petit copain avec lui. Il souffle les engorgements causés par les résidus de graisse d'aliments et de savon, les particules de poux et les cheveux pour cuisine et salle de bain. L'élément d'emploi avant utilisation. Bon, moi je lis jamais les bonnes emplois. Donc, ça se présente comme ça, deux petites bouteilles, ok. Donc, mon gars, faut suivre les instructions. Je vais pas te les lire pour toi, je vais pas non plus venir chez toi pour déboucher tes chiottes. Mais voilà, t'as compris l'histoire. Et donc ça, pareil, je vous en parlerai dans mes produits terminés. Je suis super contente parce que j'ai trouvé cette petite étoile de Noël. D'ailleurs, je crois que c'est celle que j'avais vue la dernière fois. En fait, elle a un petit pet ici. Caméra de merde. Elle a un petit pet ici. Et voilà, donc la dernière fois, je n'avais pas pris, mais en fait, c'était la seule qui restait et moi je la trouve super sympa. Donc désolé, l'éclairage est super pourri, on voit pas grand chose, mais vous voyez, elle est un petit peu en relief. Donc ça, c'est une décoration de Noël et je la trouvais super sympa. Et donc du coup, je l'ai pris pour la petite chambre de bébé. On continue dans les chambres de bébé. Pareil, j'ai pris cette guirlande là que je trouve super jolie. Là, vous voyez pas tous les motifs et je vous avouerai que j'ai... Non, j'ai la flemme de la sortir, mais ouais, vous voyez là les différentes couleurs qu'il y a, franchement, je la trouve très, 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 très belle. Donc, moi, j'ai pris pour la chambre de bébé Pioute parce qu'on va bientôt changer sa décoration de chambre parce qu'on va faire sauter son lit et sa table allongée pour le transférer dans la nouvelle chambre de petit bébé 2. Et donc, voilà, et je me suis dit que j'allais changer un peu de déco et lui faire une petite déco un petit peu plus girly, un petit peu plus bah, fille plutôt que bébé. Et donc, ceci, c'est une guirlande lumineuse avec 10 LED. Et franchement, elle est trop belle. Donc je suis désolée, ça rend rien l'éclairage, mais elle est trop 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 jolie. C'est ma caméra qui est pourrie. Et pour information, je remercie énormément les personnes qui m'ont donné de l'argent. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais voilà, qui m'ont donné de l'argent sur ma cagnotte Litchi. Et si vous voulez participer, bah, n'hésitez pas, vous avez le lien de ma cagnotte en barre d'infos. Litchi, Litchi, j'ai pris une bombe de peinture
Donc vous voyez, c'est une bombe de pâture, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi je l'ai pris pour repeindre le panier que je vous ai montré. Par contre je suis con parce que j'ai pris en blanc. J'aurais dû prendre en noir vu que j'ai un carrelage noir. Ça fera moins... ça fera plus ton sur ton, ce sera plus discret. Donc voilà, je l'ai pris en blanc. Je vais garder le ticket de caisse pour aller la rendre et l'échanger contre de la bombe de peinture noire. Ça je vous en parlerai dans mes vlogs ou dans mes produits terminés parce que j'aimerais vous donner mon ressenti là-dessus sur cette marque. Cette marque je connais mais sur les bombes de peinture parce que je sais pas du tout ce que ça donne. Et voilà, donc ça existe en plein de couleurs différentes mais moi j'ai pris en blanc. Mais erreur. Le classique, le basique, j'ai pris des petites pochettes comme ceci, molletonnées. Oh elle est pétée, j'avais pas vu, bon c'est pas grave. Elle est pétée là, donc une petite pochette molletonnée. Quand je vous fais des jeux concours, bah du coup ça peut toujours servir. Par contre honnêtement, vous en avez 4 à l'intérieur, elles sont pas molletonnées de ouf, de ouf, de ouf. Mais bon c'est déjà ça, ouais. Bébé. Elle me fait trop rire. Donc voilà, donc 4 petites pochettes comme ceci, molletonnées, mais je l'ai déjà dit. Et alors, doucement, doucement, bébé, doucement avec le chat. On fait doucement. Et voilà, il est parti, il est parti. Je me suis laissé tenter par une petite lampe comme ceci. Alors, ils disent que c'est une lampe murale à capteur avec 4 piles non incluses, automatique. Ah mais c'est pas ce que je voulais. Si, automatique suivant la lumière du soleil et tout et tout. Et elle réagit au mouvement. Alors moi j'ai... Elle réagit au mouvement. Bah oui Bernard, hein Bernard. Bah oui ça va. Bah oui ça va et toi? On va à la chasse? Bah oui on va à la chasse ouais. Donc, merci Bernard. Donc j'ai pris une petite lampe comme ça, je vous l'ai dit. Je vous en parlerai dans les produits terminés. Pour voir ce que ça donne, moi je l'ai pris vraiment pour mettre dans mon abri à bois. Parce que c'est chiant quand tu vas chercher le bois, bah du coup maintenant à 19h, bah tu vois pas les bûches que tu prends. Ou du coup tu prends n'importe quoi, tu prends pas les bonnes bûches. Et il y a des bonnes bûches et donc on verra. Par contre c'est pas marqué si c'était waterproof ou pas. Mais quand vous voyez le dessin de derrière, bah on voit que la lumière est dehors. Donc on verra, je vous en parlerai. Je me suis pris une nouveauté, un petit bubble mask, mais cette fois c'est au charbon. Vous savez, c'est un masque en tissu noir, tout noir, tout noir. Bébé, tu fais des bêtises là. Je te vois, je t'entends, tu fais des bêtises mais t'es pas discrète. Donc je disais que c'est un masque en tissu noir, tout noir, et en fait il fait des bulles en même temps. Donc voilà, bubble mask, et par contre je suis trop con parce que j'aurais dû vous en prendre un. Donc du coup ce qu'on va faire, je vais vous faire une question mystère. Si vous voulez gagner ce bubble mask, répondez à la question mystère dans la description. Vous trouverez la question mystère, mais par contre ne répondez pas à la question mystère dans les commentaires. Suivez les modalités de comment ça se passe la question mystère. Donc voilà, donc vous avez ce petit masque à gagner. Et voilà, vous trouvez toutes les modalités en barre d'infos pour ce petit masque là. Autre petit produit que j'ai pris pour Nani, parce qu'on va faire un swap de Noël. Donc j'ai pris ce petit produit-là. Franchement, je le kiffe, je l'ai dans la chambre de bébé Pute. Et tac, 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 tu fais du bruit. Donc j'ai dans la chambre de bébé Pute, c'est pas mal parce que ça vous donne le taux bébé, bébé. Attends, 2 minutes. Ça vous donne le taux d'humidité dans l'air et ça vous donne l'heure et ça vous donne la température de la pièce. C'est un petit thermomètre... Est-ce que je peux... Ouais, je peux l'ouvrir sans qu'elle le voit. Et en fait, il est bien ce thermomètre parce qu'il est vraiment tout petit. Il prend pas beaucoup de place. Il est tout petit comme ça. Donc voilà. Donc franchement, c'est top. Et j'avais cru entendre que Nani le voulait pour la chambre de bébé. Mais je sais plus si elle l'avait pris ou quoi. Oh, je me souviens plus. Bon, au pire, c'est pas grave. Elle me le redonnera et ça ira dans la chambre de bébé. Piute 2. T'es obligé d'en prendre, ça faisait longtemps. Donc j'ai repris des petites pastilles à la menthe comme ceci, je les ai pris en verre cette fois-ci. Très très bonnes, des pastilles à la menthe qui rafraîchissent bien le gosier, t'as compris? Donc voilà, 50 pastilles à la menthe. Une petite carte comme ça pour faire le swap avec Nani, je la trouvais marrante en fait. Je la trouvais marrante là, l'espèce de petite chouette. Et je vous dirai plus tard pourquoi je la trouvais marrante. Donc voilà, une petite chouette et je l'ai trouvée marrante. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit que je l'ai trouvée marrante, hein. Pareil, pour Nani, je lui ai pris des stickers, enfin pour Nani, pour son petit. Donc j'ai pris des stickers, pas de patrouille, j'ai pris ceux-là. Hop, je sais pas si elle les a ou pas, par contre vous voyez ils sont un peu
en 3D, on va dire, en 3D mancien. Donc, hop, comme ceci. Et j'en ai pris d'autres, les roses, parce qu'il n'y a pas de raison. Hop, avec ces couleurs-là. Avec ces couleurs-là. Et à chaque fois, dans chaque petit pochet, vous avez 25 stickers. Et ensuite, j'ai pris cet assortiment-là. Franchement, il est trop joli. Je le kiffe. Moi, je l'ai deux fois à la maison. Et là, pareil, c'est pour le swap avec Nani. Il est trop, trop joli, ce truc. Il existait aussi en noir, mais enfin, les coupelles étaient en noir et la planche est toujours en bambou. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était carrément mieux de cette couleur-là. Donc voilà, donc je lui ai prise. J'espère que ça lui fera plaisir parce que moi, ce truc-là, je le kiffe. Je l'avais même acheté aussi à ma belle-sœur. Et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà, j'ai fini. Tout est fini. Tout est fini entre nous, tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous a plu. N'hésitez pas, désolée, je suis fatiguée, je dois être agaçante. On va me dire, ah t'as trop de manières. Mais en fait, plus je suis fatiguée, plus j'ai des manières. Voilà, je suis insupportable quand je suis fatiguée. Et donc je disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, eh ben tant pis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser... des messages, à m'envoyer du courrier, à me lui envoyer de l'argent, à me faire des bisous quand vous me croisez dehors dans la rue ou pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas et à me laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Je répondrai, il n'y a pas de souci. Je répondrai aussi à toutes vos questions sur Instagram si vous en avez. Je sais pas, on sait jamais. Et donc voilà, donc je vous remercie. Et non, j'en peux plus, je me fatigue. Donc je disais que je vous remercie énormément pour tout. Et je vais m'arrêter là parce que c'est juste pas possible. Et je vous dis à... Désolée, je suis chiante. Même moi, je me trouve chiante. Donc voilà, donc je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.